Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube RFCA41 Jeux. Bonne vidéo à tous. Bonjour à tous, Hervé Matou avec vous pour vous commenter ce match. Oui, et avec Pierre Ménès pour un match international. Un match où le Nigeria affrontera l'Islande. Tiens, le rythme des compétitions mondiales, une Coupe du Monde tous les 4 ans, c'est bien, hein, on ne change pas. On ne fait pas comme certains l'ont suggéré tous les 2 ans, ce serait trop. Non, mais on se plaint toujours que les joueurs jouent trop, on lutte contre le dopage et on voudrait leur faire une Coupe du Monde tous les 2 ans, il faut être logique à bout d'un moment. Puis ça banaliserait un petit peu l'événement. Exactement, mon petit Hervé. Tiens, un petit point culture, on va quand même rappeler aux amis qui nous écoutent que Volgograd, c'est l'ancienne Stalingrad. Ah ouais, la fameuse bataille, c'était là. Ouais, la ville avait été quasiment anéantie hein, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Alors que vous découvrez la composition d'équipe retenue pour démarrer ce match côté nigérian. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Voici donc les joueurs islandais retenus pour cette partie. Vous voyez l'organisation de cette équipe. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Voilà, c'est parti pour les 45 premières minutes de cette affiche. Et il faut le souligner dans une ambiance assez festive et sympa. Peut-être une bonne opportunité, attention. Sigurdsson. Oh, le ballon dangereux. Martin qui se détend parfaitement bien. Il est un petit peu cerné là. Magnusson. Sigurdsson. Vas-y. Et nickel. Ouais, le tacle, la frappe. Ouais, pas à l'aise. Il n'a pas été à l'aise sur cette frappe en tout cas. C'est ce qui arrive quand on n'est pas sur son bon pied. Ouais, pas mal, hein. Pas mal cet arrêt, Pierre. Ah, splendide, bel effort pour protéger son but. Magnusson. Sigurdsson. Finn Bogason. On a peut-être une bonne occasion. Victor Mazès. Alex Iwobi. Jean-Abbé Mikel. Fred Didi.
Victor Moses. Il s'est traversé par terre. Un petit peu loupé cette tête. Complètement loupé même cette tête, Hervé. Je crois qu'il l'a joué avec le dessus du crâne. Il avait été bien servi, mais il a raté le dernier geste. Ah, c'est une belle occasion qui s'envole, c'est le cas de le dire. Ça part bien, action dangereuse. Petit gilet. Allez, il y a du monde autour de lui, il y a peut-être un coup à jouer. Attention à la frappe. Oh, attention, c'est pas fini. On s'approche du but. Petit gilet. Ça va bien, nickel. L'ouverture du score. Oh, le but plutôt mérité, hein, vraiment pour cette équipe. Ah ouais, complètement même, depuis le coup d'envoi, c'est elle qui se crée le plus d'occasions nettes. L'équipe qui est récompensée de ses efforts avec ce but. Ouais, elle tente plus, elle se montre plus entreprenante. Tout ça est logique. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Pedersen. Bjarnason. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Sigurðsson. Les 30 derniers mètres. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Le fait Didi. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Finn Bogason. Ah, la passe mal ajustée, il récupère un ballon facile. Victor Moses, il s'avance vers la surface. Non, ça ne passe pas. Sigurðsson. Finn Bogason. Alors carton ou pas pour cette faute? L'attaque va s'arrêter là. Victor Moses. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Jamabé nickel. Et ce ballon est intercepté. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oh, ils vont plus revoir, ils sont aux abois, les défenseurs. Joueur de l'équipe adverse. Ouais, peut-être une situation intéressante là. La personne. Ouais, ça n'ira pas plus loin. Ouais, c'est dévié, le ballon qui sort. La touche, ça va vite. On en puisse dire. Bjarnason. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul.
Ouais, ça passe pour lui un peu trop facilement quand même. Hein. C'est pas une défense, hein, Gruyère. Alex Iwobi. Sigurdsson. Finn Bogason. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. C'est dans le paquet. C'est pas bien joué cette tête. C'est sûr qu'il n'y a que quelques centimètres entre le front et le dessus du crâne, mais à l'arrivée ça fait des mètres. Malagone. Onasi. Larsson. On s'approche de la zone de vérité. Jean-Marie Michel. Victor Moses. Ça n'ira pas plus loin. On peut découvrir le temps additionnel. Décompté 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Larsson. Magnusson. Sigurdsson. Ah, facile la récupération. Sigurdsson. Ah, ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. Bah, c'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture, je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant, on peut dire qu'il a été bon quand même. Ça dit que son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. C'est donc reparti pour la seconde période de ce match. Les joueurs qui ont, on l'espère, rechargé leur batterie à la mi-temps. En Asie. On a bien joué la remise. Attention, ça peut être dangereux. Ils étaient sous pression. Il dégage. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. Sigurdsson. Ça part bien, action dangereuse. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Victor Moses. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Oh, il peut s'en vouloir hein, d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Victor Moses. On sent qu'il est en forme hein, dans ce match. Ouais, parce qu'il tente pas mal de choses et ça lui réussit. La passe est interceptée. Il vient buter sur la défense. Sigurdsson. Peut-être une bonne opportunité, attention. Jean-Marie Michel. Victor Moses. Ah non, le ballon est perdu. Ah, il a décidé d'y aller tout seul. Il a peut-être une bonne occasion. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Il y a du public qui demande le tir. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Nickel.
Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, le ballon qui est perdu. Sigurdsson. Ah non, ballon perdu. Avec Fabi. Victor Moses. Ouais, l'attaque va s'arrêter là. Gunnarsson. Sigurdsson. Avec Fabi. Ah, un bon ballon d'attaque. Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Et ça sort, touche. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Sigurdsson. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Gunnarsson. Gunnarsson. Attention, il a du champ devant lui. Ah, il lui remet. Ouais, ça joue vite et bien. Attention, le défenseur est passé au travers. Ah, excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Il avance dans le pied. Oh, c'est dangereux. Et le but en finesse, c'est parfait. Quel frappe de son froid. La tête est à refaire maintenant avec ce but égalisateur. Tiens, regardez, on prend le ballon de Dominique pour apprécier ce but. Le joueur qui cède à sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters. C'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. Et ils égalisent donc un but partout. Victor Moses. Et Fred Didi. Non, elle a été interceptée cette passe. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Allez, dans le couloir. Gunnarsson. Ah, le ballon qui circule, mais la défense qui ne peut pas faire grand-chose. On cherche un peu de tri au premier poteau. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Moses Simon. Attention, ça peut être dangereux. Victor Moses. La frappe. Ah, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Allez, changement avec un joueur qui va rentrer. Allez, encore 5 minutes à jouer dans ce match. Sigurdsson. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il cherche un peu de kick dans la surface. Ah, pas terrible, il y a un engagement. Quand même, nickel. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Oh, si elle passe cette balle, si elle passe. Ah, clairement, ça peut faire but derrière, hein, donc c'est très bien défendu. Ah, c'est un moment décisif, hein, il ne reste plus beaucoup de temps. Le centre, il a vu ses coéquipiers.
2 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'indique l'arbitre. Peut-être une bonne opportunité, attention. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Traoré-Stasson. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Jean-Marc Miquel. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Et il est dépossédé du ballon. Magnussen. Allez, capitale hein, cette attaque dans un match aussi serré. Arnason. Sigurdsson. Sigurdsson. On s'approche du but. Ah, c'était peut-être la balle du chaos. Une très très belle interception là. Il vient couper la trajectoire de cette passe. Ah, il faut un arbitre à siffler. Et l'arbitre qui siffle faute. Carton jaune. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. On revoit ce tacle glissé et la faute est nette. Hein. Il va y avoir un remplacement. Un bon ballon d'attaque. Intervention décisive du défenseur. C'est fini, le temps réglementaire est écoulé. Score de parité donc.